On dirait que... Oh non, je sais pas. Comment maîtriser ses pensées? La première question, c'est pourquoi maîtriser ses pensées? On s'en rend pas toujours compte, mais la plupart du temps, on fonctionne en mode automatique. On a une pensée qui vagabonde et qui rebondit sur une autre pensée et on se laisse aller et rebondir de pensée en pensée et ainsi chacun mène sa vie en réagissant simplement à ce qui se passe sans faire trop attention à ce qu'il a réellement envie ou ce à quoi il veut précisément penser. Maîtriser ses pensées, c'est choisir à quoi on veut penser. Être libre de penser ce qu'on veut et être libre de manière générale, c'est pouvoir faire un choix. Le choix qu'on a à faire, c'est choisir vers quelle pensée on va et ce à quoi on pense. La plupart de nous ne choisissons pas ce à quoi on pense. On réagit ou on valide simplement, comme lorsqu'on suit les médias, on regarde les informations et on se contente de valider, de dire oui. On ne fait pas de véritable choix, on regarde ce qui vient de l'extérieur et on valide. Et quelque part, c'est le monde extérieur qui décide pour nous, ce sont les médias qui décident pour nous de ce qui est. Si on veut maîtriser quelque chose, les choses doivent venir de nous. Ça doit être nos propres choix intérieurs. Et pour cela, il y a une méthode pour maîtriser ses pensées. Il existe deux types de pensées différentes. Celles qui concernent le passé. On se remémore des événements passé, alors que ces événements passés sont révolus et ne peuvent plus changer. Et il y a les pensées qui concernent le futur. On s'imagine des futurs probables, on s'imagine des peurs possibles, alors que tout peut encore changer. Que faire avec ces deux types de pensées qui nous envahissent en permanence ? Le but, ça va être de se focaliser sur une seule pensée. Comment faire pour n'avoir qu'une seule pensée à la fois? Le fait de vous concentrer sur maintenant va vous permettre de penser à une seule chose à la fois et vous débarrasser du passé et du futur en vous axant en vous focalisant sur maintenant. Sur quoi se focaliser maintenant? Eh bien, c'est simple. La seule chose sur laquelle vous pouvez vous focaliser, ce sont sur un de vos cinq sens. Soit l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût ou le toucher. Ce sont les cinq récepteurs qui prennent de l'information de l'extérieur et c'est ce sur quoi vous pouvez vous focaliser. Donc, au moment où vous êtes là maintenant, vous pouvez par exemple vous concentrer sur l'ouïe et la vue ou juste sur l'ouïe et écouter ce que je dis et donc être focalisé juste sur ça. Vous aurez alors une seule pensée que vous maîtrisez, vous êtes concentré sur votre écoute. Que faire maintenant si vous ne faites quasiment rien, que vous êtes dans votre lit et que vous attendez? Sur quoi vous concentrez? Eh bien, c'est aussi simple, concentrez-vous toujours sur maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? C'est sûr que vous respirez au moins, donc concentrez-vous soit sur votre respiration, soit sur ce que vous ressentez avec votre corps, avec votre peau. Quels sont les ressentis que vous avez? Concentrez-vous sur ça. Et là encore une fois, vous aurez réussi à vous concentrer sur une seule chose à la fois, sur maintenant.
ça va vous permettre de plus en plus souvent d'avoir les idées claires, l'esprit clair et de pouvoir réfléchir plus facilement et vous concentrer plus facilement. D'autre part, ça va vous rapporter plus de plaisir, vous allez mieux vivre chaque instant que vous vivez et votre notion du temps va évoluer. Si vous voulez avoir les idées plus claires, plus souvent, entraînez-vous à focaliser votre attention sur ce que vous avez choisi, sur maintenant ou même sur un fait précis du passé. L'important, c'est de choisir ce à quoi vous pensez et de vous focaliser sur une seule pensée à la fois. Ce que tout le monde fait le plus souvent, c'est le plus facile, c'est laisser aller ses pensées dans le passé, dans le futur. Et c'est là que tous les problèmes ressurgissent, qu'on se met en colère parce qu'on est braqué sur des choses qui n'ont rien à voir avec maintenant, qui sont passées ou qui ne sont pas encore arrivées. C'est la source de tous les problèmes. Imaginez-vous un ciel bleu avec des nuages. Les nuages gris, c'est le passé et le futur. Avec des petits éclairs, ce sont les idées qui tournent en boucle, qui font des choses qui pètent complètement la tête. Ça, ce sont les prises de tête. C'est pour ça que les gens ont parfois beaucoup de mal à se concentrer sur des choses. C'est parce qu'ils sont pris dans ces nuages obscurs. Essayez de vous focaliser sur vos sens, sur votre corps et de ressentir ce qui se passe maintenant. Ça va vous permettre d'être clair avec vous-même. En ce qui concerne les impondérables, c'est-à-dire ce qui vous tombe dessus, ce que vous ne pouvez pas changer, le fait de devoir faire de l'administration, le fait de devoir aller à des endroits précis où vous êtes obligé d'aller, des choses que vous n'avez pas envie de faire mais que vous êtes obligé de faire, vous êtes obligé de déménager, vous êtes obligé de vendre ceci, vous êtes obligé de faire cela, ceci, ce sont des balises que vous êtes obligé de faire. Donc ça, vous notez sur un papier les points à faire par lesquels vous êtes obligé de passer, c'est la feuille de route. Ces points-là, vous les remplissez et vous les faites un par un en prenant ça comme des épreuves et essayez, lors de ces épreuves, d'avoir toujours votre esprit clair, de ne penser qu'à cette chose-là au moment où vous le faites. Et une fois que c'est passé, vous passez à la suite. Mais ne commencez pas à maintenant déjà penser à cette liste. Quand quelque chose arrive que vous êtes obligé de faire arrive, mettez-le sur un bout de papier et mettez-le à une date précise. Et quand c'est la date, pensez-y et faites la chose. Stressez-vous s'il faut pour la chose, mais uniquement à cette date-là si vous avez besoin de vous stresser. En dehors du temps, prenez du plaisir à ressentir votre corps, à découvrir votre corps, vos sensations. C'est ça qui manque aux gens pour découvrir qui ils sont et pour ne plus laisser les choix de votre vie aux autres personnes.